Bonjour à toutes et à tous. Bon, j'ai fait des essais, donc ça a l'air d'être pas trop mal. Donc, bonjour jeune, moins jeune. Chauve, non chauve, homme, femme. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, j'espère que les fêtes se passent bien. Hein, donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les jeunes? Oui, j'ai fabriqué quelque chose encore. Donc, une petite création. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il faut boire, c'est important. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais faire une illustration avec un petit peu de danse. On va dire c'est du complet, hein, de toute façon, ce que je fais à chaque fois. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les jeunes? Oui, il y a un dicton qui dit qui vole un œuf vole un bœuf. Voilà. Qui vole un œuf vole un bœuf, ça veut dire que si vous, par exemple, si vous amusez à voler. Par exemple, un bonbon à la boulangerie un jour, eh ben, ça pourra vous amener à vous procurer un mauvais avenir, on va dire ça comme ça. Donc, il faut éviter tout ça. Donc, parce que, on va dire, un petit vol peut amener à un plus gros vol quand vous serez plus grand. Donc, ça fait partie de la frustration. Il faut savoir vous frustrer un petit peu, les jeunes. Pas vous frustrer, mais vous abstenir de faire des actes comme ça, par exemple. Donc voilà, c'est comme les idées. Vaut mieux emprunter une idée ou s'en inspirer et de faire référence à l'idée où vous avez eu l'inspiration que de voler l'idée. Donc voilà, c'est pareil. C'est qui vole un œuf, vole un bœuf, c'est la même morale au niveau des fables. C'est pour ça que les fables sont importantes. Donc. Voilà, je fais un petit coucou aux personnes qui font des vidéos et qui disent que les fables ne sont pas importantes. Donc voilà, on va dire c'est un manque d'instruction pour les personnes qui disent ça. Parce que, par exemple, vouloir éliminer les fables, on va dire entre parenthèses mythologie au niveau platonicien, ben, ça voudrait dire de retirer le mythe de Platon, donc voilà, de la caverne. Ça, c'est une fable, hein. Même si on dit que c'est une mythologie, mais c'est synonyme. Donc voilà, les fables servent à quelque chose. Donc si elles ont été insérées par les philosophes, c'est que c'est pas pour rien. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Pareil avec les ombres chinoises, hein, donc ce que j'ai fait avec ma vidéo sur la création. Alors ce que je voulais vous dire, les jeunes, c'est que en fait je vous dis ça parce que moi j'ai eu beaucoup d'expérience, comme je vous ai dit. Hein. Je me suis pas cantonné chez moi comme ça, parce que là j'ai un certain âge, là j'arrive à la cinquantaine, donc dans 2 ans. Donc ce que je voulais vous dire en fait, c'est que au niveau des idées, ben moi j'étais avec des danseurs par exemple, et ils me piquaient mes idées. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, parce que moi j'avais beaucoup d'idées. Et au niveau des chorégraphies, c'était à chaque fois, c'était moi qui mettais. Ça venait de moi les idées. Donc c'est pour ça que j'ai cassé le groupe quand j'étais à Nancy. Donc voilà, là je vous raconte l'histoire complète. Donc voilà, on va dire c'est un aveu que je fais. Donc c'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça que on va dire je serais très méchant à ce niveau-là. Donc il faut pas. Il faut toujours donner ses références. Donc voilà. C'est important de tenir une morale. Donc voilà, si on a instauré une morale, c'est que c'est pas pour rien. Donc voilà. Sinon tout va de travers. Donc voilà. Bon, en fonction de votre éthique, vous vous mettez ça en place. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc on commence. Donc je pense que je vais tenter de créer, pas maintenant, mais dans pas longtemps, je vais tenter de fabriquer un logo pour moi concernant mon. Concernant, on va dire, ma personnalité au niveau artistique, je vais me construire un logo, mais avec le carré. Donc ça, je l'ai gardé, hein, vous vous souvenez? De toute façon, toutes les créations que vous faites, les jeunes, il faut les garder. Donc voilà. C'est une preuve que, comme quoi, vous êtes le créateur de l'œuvre. Donc voilà, c'est un surplus, on va dire ça comme ça. Alors, tout ce que j'ai fait, je les ai gardés, bien sûr. Hein, ben, ça, c'est logique. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce que j'ai fabriqué aujourd'hui, ça va être en accord et en interaction et en connexion avec ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, allez, bon visionnage, ça suffit, j'ai lâché blablaté.
Allez, c'est parti.
Ça y est, c'est fini. Donc voilà. C'était ma petite création d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc mon logo, ça sera le carré. Mon logo, ça sera le carré. Donc pour les autres artistes qui seront inspirés, qui auront de l'inspiration, donc j'espère qu'ils vont s'inspirer de mon logo carré. Donc voilà. Gratuitement, bien sûr, je demande rien en retour. Donc voilà. On va dire c'est comme on va dire un pacte de bonne entente, le carré. Mon logo carré. Donc voilà. Donc je vais danser un petit peu, puis ça ira pour aujourd'hui. Je vais vous expliquer rapidement comment j'ai fabriqué le Schmilblick. Alors, ben toujours le carré, hein, donc voilà, ce que je vous ai dit, de toute façon, c'est ce qui me représente. Donc voilà. Donc voilà, je travaille toujours en carré, hein, comme je vous ai dit. Hein, donc hop. Donc voilà. Donc ça soit comme ça. Comme ça. Donc voilà, il y a plusieurs façons. Mais je vais pas vous tout vous dévoiler. Hein. Chacun son secret. Hein. Donc il faudra vous fabriquer quelque chose de particulier pour, on va dire, compléter votre style, les jeunes. Donc voilà. Et je parle aux filles, hein, bien sûr. Ça serait un petit cadeau pour les fêtes des mères aussi, ça c'est pas mal. Donc voilà. Ou pour votre amoureux. Mais bon, pour les fêtes des mères, c'est le mieux. Donc voilà. Moi, ça serait plutôt pour les fêtes des mères. Donc voilà. Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc voilà, pour ceux ou celles qui font des vidéos sur la séduction. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je transpire, hein. Mais c'est pas grave. Je vais laver mon t-shirt. Donc, pourtant, il fait pas si chaud. Donc voilà. C'est l'émotion aussi, peut-être. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, je vais vous dire comment je vais fabriquer ça. Donc vous prenez deux paquets de tisane, enfin de thé. Donc voilà. Celui-là, je l'ai acheté à... Normalement, je vais à Lidl, mais là, j'ai été à Carrefour parce que j'étais en urgence, j'avais besoin, puisque j'étais en rupture de thé. Comme je bois que du thé, donc voilà. Je bois du café, mais c'est quand on m'invite, ça. Mais sinon, je bois pas de café. C'est pas bon. Ça fait des années que je bois pas de café. Donc, vous prenez deux boîtes de vide. Vous lui mettez du scotch et puis ben, vous fabriquez votre labyrinthe, hein, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Après, selon votre imagination. Donc voilà. Comme je vous ai dit, une construction de maison, chez Spinoza, toute idée est parfaite quand elle est intégrée dans votre idée, dans votre pensée. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui maîtrise à peu près, enfin je dis à peu près, mais en vrai, qui doit maîtriser son art. Ça veut dire aussi toucher au niveau de l'artisan. Il doit être artisan et artiste en même temps. Donc voilà, parce que les définitions ne sont pas les mêmes. Donc un artisan, voilà, c'est quelqu'un qui confectionne des objets comme la haute couture, tout ça, ou le boulanger par exemple, ou. Bon, c'est quelqu'un qui, ou le menuisier par exemple, c'est quelqu'un qui est habile de ses mains. Donc l'artiste, il doit être artisan et d'ailleurs Gilles Deleuze en parlait de ça. Donc le philosophe est artisan. Donc voilà. Et d'ailleurs Gilles Deleuze faisait ses concepts. Faut pas que je pense qu'à ma gueule. Hein, donc voilà. Gilles Deleuze faisait ses concepts comme un tailleur de pierre. Donc voilà, il les faisait de manière brute. Donc voilà. C'est pour ça que c'était intéressant et que ça m'intéressait beaucoup. Donc voilà. Donc on va dire brut, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'artifice. Donc c'est, ça veut dire que vous pouvez les mettre en pratique, les concepts deleuziens par exemple. Donc voilà. C'est pour ça qu'il est à cheval sur la théorie et la pratique. Donc voilà. Donc c'est un peu le même procédé, mais moi c'est avec l'art, quoi, ce que je fais. Donc aussi. Donc je m'arrête là. Donc je vais un petit peu danser parce que j'ai refroidi, même si j'ai chaud. On dirait la carte du monde. Donc voilà. Pour plaisanter, bien sûr. Hein. Alors, au niveau universel, spinoziste, bien sûr, c'est ce que je partage, hein, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc, bon visionnage. Nous allons travailler tranquillement, doucement. Donc voilà, j'ai une petite surprise encore là. Donc voilà. Ça me fait plaisir, hein, aussi, à moi aussi. Donc mon œuvre, elle n'est pas tout à fait terminée. Donc.
J'ai vite parlé. Toujours gardez vos créations, hein. Kafka, ça c'est bien, il faut le lire ça. Allô maman? Oh ma chérie. Ah, bonne fête. Jusqu'au 10 juin, le bracelet édition limitée offert dès 109 euros d'achat.
Donc voilà, ça ira pour aujourd'hui. Donc j'en ai assez fait, donc j'espère que ça vous a plu les jeunes. Donc à bientôt. Et non, ne mangez pas trop, hein. Commencez par manger doucement, légèrement. Donc voilà, pour réhabituer votre estomac à manger.